Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le signe du Capricorne pour la période de juillet. Alors, nous allons regarder tout de suite dans la première semaine ce qui se passe. On nous parle de soleil, on nous parle d'obscurité pour les Capricornes, on nous parle d'évolution et de route. Ici, j'ai l'impression qu'en été, il y aura des choses encore un petit peu cachées. Il y aura beaucoup de luminosité chez vous et beaucoup de choses. J'ai pas envie de dire sombre parce que si je vous dis sombre, vous allez penser à des choses négatives. C'est pas ça, mais ce sont vraiment des choses cachées dont vous n'avez pas connaissance. Il y a des énergies qui sont cachées, tout simplement, qui vont vous arriver et qui vont vous être dévoilées gentiment déjà dès la première semaine du mois de juillet pour vous aider à évoluer concernant un certain chemin de vie ici. C'est ce qu'on me montre. Dans la deuxième semaine ici, on vous parle de sentiments. Vous allez avoir le sentiment d'avoir besoin de changer quelque chose. Ça peut être concernant une ouverture ici, hein, une ouverture à l'abondance. C'est comme si vous alliez vous autoriser à faire quelque chose qui vous tenait à cœur. Et j'ai l'impression qu'on va tout faire, on va tout vous mettre en place pour que vous puissiez atteindre ce but que vous vous êtes fixé, hein. Dans la troisième semaine ici, on nous parle peut-être justement de petits conflits concernant, concernant de la communication téléphonique ici. Communication aussi peut-être concernant un certain repos. D'accord? Un certain repos ou peut-être une certaine destination ici. Pour beaucoup de Capricornes ici, je ressens. Vous vous écoutez pas assez au niveau de votre santé. Il y en a qui auraient tendance un petit peu à négliger et à se dire non, je suis assez fort, je continue. Donc soyez quand même aussi à l'écoute de vous-même. D'accord? C'est très important. Dans la quatrième semaine ici, si vous êtes un homme, ça vous touche directement. On vous dit oui, oui à votre projet. Vous avez l'intention d'entreprendre quelque chose ici, peut-être de vous mettre vous-même à votre compte. Hein. On vous dit oui. Hein. Pour les hommes, apparemment, c'est un mois qui sera favorable pour vos projets. La carte synthèse qui va vous accompagner ici, c'est garder les yeux bien ouverts pour le mois de juillet. Parce que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place pour votre plus grand bien, pour vous pouvoir vous aider à atteindre votre but. Alors gardez vraiment les yeux ouverts. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Vous êtes tous très très gentils. Je souhaite aussi vous souhaiter une agréable journée et un très bon mois de juillet. Merci beaucoup.